Ah, Vivi, je mets les tomates et le couscous aussi. Si tu veux. Yalla, tu vas manquer, je sais plus. Moi, je peux pas courir avec ça. Mais Habibi, je t'avais demandé de me dire. Bon, ok, je passe après l'école, là, je vais avoir. Ah, c'est bien, alors je pourrais rajouter les vêtements et les jouets, hein. Très bien. Bye. Ah, attends, ici. Voilà. Merci. Attends, ici. Maman. Pire journée au monde, on commence en maths. Parle pour toi. Comment ça? Tiens, Dieu, t'as bien l'exemption. Merci. Quoi? Vous manquez tous les cours de la journée? Ben ouais, on organise la collecte de dons pour les familles démunies. Pis ça? Plein de choses à faire, là, c'est débile. Oh, chanceux. Pas moi. Ton père a pas voulu. Non, il a exempté juste deux personnes. Puis il était clair là-dessus, hein. Pas niaisage, sinon on retourne en classe. Mais ça n'a pas rapport, là, à deux, on n'arrivera jamais. Je sais. Donc, pourquoi tu demandes pas pour Samy d'abord? Oui, Marco, s'il te plaît. Pourquoi tu te manques pour moi, ta gaillette, hein? Jennifer, ton lunch, tu l'as oublié. Bon, je sais que je devrais pas être ici, t'as ça, là, mais comme je venais déjà faire du bénévolat à la Bibi, je me suis dit que je ferais un petit détour. Merci. Mmh. Vous êtes tous pareils, vous autres, les jeunes, hein? OK. Mmh. Oh, fallait pas que je fasse ça. Oh, excuse-moi, ma doudoune, je disparais. Ma doudoune! Elle t'a fait vraiment comme ça! À tout doute! Ah! Marc-Olivier! Oui! Prêt à affronter les foules ce soir? Oui. Ah, tu vas voir que le stade olympique, à côté de tout ça, il n'y a rien, là. Good. Mais justement, là... Hey, tout le monde me parle de notre collègue. Je te dis, c'est la folie. Des textos, des tweets, des courriels, des ping, bang, boum! Je suis bombardé de partout. Tant mieux. Mais justement, là... Hey, quelle belle initiative, mon Marco! Quelle belle initiative! Je te dis que si toi et Jeanne étaient comme toi, là, le monde serait meilleur. Plus beau. Plus vrai. C'est gentil. Mais justement, là... Hey, dis-moi, toi. Est-ce que c'est grâce aux jeunes bénévoles que t'as pensé à ça? Ouh! Ben, un peu. Mais justement, là, je voulais savoir si... Ah, ben, les jeunes bénévoles, hein, tu vois, moi, là, je suis bien content d'y avoir inscrit ma fille. Puis t'as vraiment raison, hein? Pourquoi attendre à Noël avant d'aider son prochain, hein? Ah oh, non, je suis très fier que Victoire Desmarais fasse sa part pour les familles de la région. Ah, oui. Je te dis, je suis vraiment content qu'on organise ça. Ouais, cool. Mais justement, là... Justement quoi? Ben, justement, je... Oui? Écoute. Bien. Justement, je voulais savoir si on pouvait pas libérer un autre élève pour la journée. On a tellement de choses à faire. Ah ouais? Il reste quoi? Ben, en plus de la collecte, on voudrait vendre des choses pour ramasser des fonds pour les familles. Ah, super ça. OK, quoi? Ben, on a des idées, mais ça reste à travailler un peu, là. OK. Ah! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à ton cours? Je veux participer à la collecte, moi aussi. J'ai plein d'idées. Attends, là, t'es sûr que c'est pas pour manquer des cours? Papa! Depuis que je fais partie des jeunes bénévoles, là, je suis super motivée à m'impliquer. Ah, OK. Ben, si c'est comme ça, hein? Quand même pas moi qui va t'empêcher de faire du bénévolat, hein? Puis Samy? Ah non, par exemple, trois personnes, je pense que c'est assez. Ouais, t'exagères un peu, Marco. Bon, faire des affiches. Oui, chouchoune. Trouver d'autres boîtes. Oui, toutoune. Passer la salle. Oui, popoune. La petite caisse. Oui, Gougoune. C'est beau, Misan. Oui, Baboune. Arrête, c'est juste drôle. Un petit câlin avec ça? Ah, regardez ça. La trouvaille du siècle. C'est quoi? Ah, des macarons. Ouais. Alors, on a juste à trouver un slogan pour notre événement, puis on les vend. Un slogan comme quoi? Ben, je sais pas, là. Quelque chose qui a rapport à la solidarité aux familles. J'ai une idée. Un don vaut mieux que deux, tu l'auras. OK, trouver un slogan qui a du bon sens. Oui, Foufoune. OK, on l'a compris. Hey! Mon père a dit que s'il nous surprend à rien faire, il nous renvoie en classe. J'ai compris. Je vais m'occuper de finir les affiches. Ah, bonne idée. Tiens, là, tu vas venir m'aider à assembler les macarons. Ouch! Oh non, j'ai dû me faire des ampoules en textant. Je pourrais pas t'aider. Bon, OK, Mel, là, c'est toi qui es en charge de trouver un slogan. Pis vite! Mais je fais juste ça, penser un slogan. Mm-hmm. Ça paraît juste pas. Ah, déjà? Cool!
Bon, ben écoutez, moi je reviens avec un slogan après le dîner, OK? Bye! Allez, on va trop longtemps, là. On finira jamais avec elle. Et c'est plate, hein? On n'a pas des boîtes assez grosses pour mettre Mélanie dedans. Mais là, pourquoi elle? Mais je sais pas, là, elle a convaincu son père que le bénévolat, c'est sa vie, genre. Là, le comité organisateur de la collecte, c'est Marco, toi, puis moi! Chut! Chut! Quoi? Tout le monde nous regarde. Elle a trop d'imagination. Non. Pas besoin que là. Sauf qu'il me regarde comme si j'étais une bête de foire. J'étais là ce matin quand. Ben, tu qui c'est ça qui te fait capoter? Ben oui. Moi, ton lâche, là, ça va t'empêcher de paranoïer. Aimerais-tu, toi, que ta mère te donne un bec devant tout le monde? Elle l'a déjà fait, t'étais là même. Ah oui, c'est vrai. Ça m'a pas dérangé tant que ça. Ben oui. Non, je te crois pas. Bon, OK, c'est vrai, là, c'est gênant, là. On s'en sort quand même vivant. Ah, je sais pas ce qui est le pire, hein? Le bec ou le doudoune? Ça dérange plus toi que les autres. Hey, ma doudoune! Est-ce que ta mère s'en vient bientôt? Ça fait une couple d'heures qu'on l'a pas vue. Toujours aussi comique, hein? C'est des gens de voyance. Ah, excuse-moi d'envahir encore ton espace, mais c'est pour une bonne cause. C'est de la part des bocages, mais je trouve pas le point de chute. Eh, c'est normal, y en a pas. Ah non? Non, la collecte, c'est ce soir. Ah, ben c'est pas grave, je vais le prendre, on va le mettre au local du jour. Oh, merci. OK, je me sauve, ma vie pas vue. Puis je ferai pas deux fois la même gaffe. Pas de bec devant tout le monde. OK, bye, ma belle. Ma belle. C'est encore pire que le doudoune. Jen, Jen, attends. Mais, Jen. Parce qu'il te porte ça, mais c'est de très mauvais goût. Monsieur Prudhomme, on est en feu. On a plein de projets. Ah, ben, ça fait plaisir à entendre. On voulait vendre des macarons. Hein? On va trouver un bon c'est tellement ça. Une bonne idée, ça. Non, mais qui a pensé à ça? C'est encore Mélanie, hein? Votre prof. Ah, je le savais. Je le savais que le bénévolat lui ferait du bien, elle. Est-ce qu'on peut prendre votre imprimante, celle du journal, le Prudhomme? Ben oui, ça va me faire plaisir. Merci. Puis là, vu qu'on a un autre projet, là, on pourrait peut-être demander à Samy pour qu'il puisse non, 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 pas besoin de libérer un autre élève pour ça. Là. Je vais vous en trouver un slogan, moi. Ah ouais? Ah ouais. J'ai un don, moi, pour trouver des formules punch, là. Ah ouais, c'est quasiment gênant. C'est vrai que ça peut être gênant, hein? Ah ouais, oui. Ouh. Une ligne, un punch, je te dis, c'est ma force. Génial. J'ai pensé à plein d'affaires. Faire un don, c'est champion. Hein? Hé, hey, c'est bon, ça. Ouais. Parfait, regarde, je vais mettre ça sur Twitter, là. Puis dans quelques secondes, tu vois, on va avoir plein de réactions. OK, attends un petit peu. C'est du flan à l'eau de rose. Mm-hmm. C'est mon dessert préféré. Ça goûte vraiment les fleurs, c'est bon. Mm-hmm. Hey, c'est moi qui l'ai fait. Quoi, c'est pas vrai? Pas de danger, là, je suis nul en dessert. Aïe, Samy a bien des qualités, mais pas celle-là, hein? Ah, t'es pas bon en cuisine? En cuisine? Ben, je suis pas bien. En pâtisserie pourrie! Maman! Mais c'est toi qui le dis, Habibi, hein? Disons qu'il faut un petit peu de précision en pâtisserie. Et toi, avec la précision, hein? Moi, ce qui paraît, je fais les meilleurs cupcakes au monde. Ah, alors tu devras enseigner à Samy, hein? Parce que lui, les gâteaux... Maman, t'es pas obligée de... Ah oh, non, non, je veux savoir. Alors... Maman, dis-le pas. Bon, d'accord. Oh, mais c'est juste pour rire. De moi, oui. Avec toi. Bon, OK, c'est juste une fois, j'ai fait un gâteau. Un volcan! Un vrai gâteau volcan! Non, franchement! Mais quoi, c'est vrai, bol-bol? Une vraie explosion dans le four. Hein? Oui, il avait mis une tasse de soda à pâte à la place d'une cuillère à thé, alors... Comme le soda fait lever la pâte, ben... Oh, non! Bon, j'avoue que c'était pas fort, là, mais ça fait longtemps quand même. Mais pas si longtemps que ça, 2 mois. Maman! 2 mois? T'es pas obligé de... Bon, tu vois, là, toutes les mères sont gênantes. Mais là, y a rien, là. Madame Mazarine, je veux tout savoir. Maman, maman. Tu peux voir, c'est très drôle. Non. Alors, oui, c'était. Non, alors, maman. Fois, maman. Non. Puis, les commentaires? Ouais, mais je vais. Non, je vais trouver une formule plus gagnante. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. Hein, je me suis dit que ça pourrait peut-être rajouter de l'ambiance. Ah, ben oui, ça va donner un petit côté festif à notre événement, ça. Comme on a un projet de plus, t'as... Je sais. Je le sais ce qu'on va vendre. Ah, ouais? Une catastrophe, je dis! Quand j'ai ouvert la porte du four, là, je capotais. Ça dégoulinait, ça débordait de partout. Un vrai volcan qui explose. Hey, trop cool! Quoi? C'est Marco.
Monsieur Prudhomme me libère de mes cours, là. À la condition que... je fasse des biscuits. Des biscuits volcans? Le directeur veut des biscuits. Ben, pour vendre ce soir, j'imagine. Alors, vous aurez besoin de mon livre de recettes? Mélanie, répond. Mélanie, t'es où, là? Pourquoi tu réponds pas? J'ai besoin de toi, là. Sammy et Jennifer peuvent pas m'aider parce que monsieur le directeur a eu la bonne idée de... Oui, c'est vrai que j'ai des bonnes idées, hein? Monsieur Prudhomme, arrive, je te rappelle. Hé! Ah. Hey, besoin d'aide? Maman, inquiète-toi pas. Non, permets-moi non tout tes habibi, je veux pas te faire de peine. Maman, hein? J'ai mon ange gardien. Ah oui, d'accord. Alors, tu fais attention, hein, Elbi? Ah, okay. Elbi? Ben oui. Elbi, Rohi, Habibi, ma mère est la spécialiste des mots doux. C'est mon doudoune à moi. Ouais, ou ma belette. Ben quoi? C'est cute, une belette? Mais merci de m'avoir invité. Ça me tentait pas de retourner à l'école ni d'être chez moi. Je sais. Bon, les tours à biscuits sont en haut. Ah ben non, ils doivent être dans le sous-sol. Je vais aller les chercher. Petite belette veut manger biscuit à la fleur d'oranger? Ah ouais, donc, hein? Puis, les préparatifs avancent bien? Les autres sont où? Ah, Sammy et Jennifer font les biscuits, puis Mélanie est aux toilettes. Ah? Bon, ben, je vais l'attendre. Ah, OK. Ben oui, hein, je t'ai dit que j'ai fait toute une séance de remue-ménage, moi, là, puis je voulais tester mes slogans auprès de votre équipe, là. Et je sais pas lequel choisir, par exemple. Ah, ça, c'est bon signe. Ah, je t'ai dit, ça va fesser, mon homme, là. Hey, voulez-vous que je réunisse l'équipe et qu'on aille voir votre bureau? Ah non, c'est pas nécessaire. On répétera pour les autres, hein? OK. Écoute bien ça, mon homme. Bon. À Victoire des Marais, on aide pour vrai. Hein? Hey, c'est... Ouh! Ouais? C'est... Non, non, mais attends un peu. C'est pas... Non, c'est pas mon meilleur, ça. J'en ai d'autres. Ah. Regardez ça. Le cœur sur la main, on donne pour demain. Ah. Wow, c'est... Papa! Excuse-moi, à ma connaissance, il n'y a pas encore de centre commercial dans les toilettes de l'école. Hein? Oh, ça! Non, non, mais c'est parce que on avait besoin de nappes en papier pour les tables, hein? Mais voyons, Mélanie, on en avait déjà. Mélanie, ouvre ton sac. À ma connaissance, les tables de la salle des pas-perdus portent pas encore de robe. Hein? OK, j'avoue, là, je suis allée magasiner sur l'heure du midi, puis j'ai traîné un petit peu trop longtemps, là. Je suis désolée. OK, tout le monde en classe, là. Ah, non, s'il vous plaît. Mélanie, je t'avais dit... C'est pas de la faute de Marco. OK, il doit pas être pénalisé. Bon, comme le sort des familles démunies me tient à cœur, on va en reparler plus tard. Toi, je vais te voir dans mon bureau. On va jaser. C'est pas cuit. Good. Nous autres, on se bat pour la cuillère. T'es sûr qu'il faut les faire cuire? Au pire, hein? C'est la recette secrète de ma mère. Chanceux, ta mère a fait tellement de la bonne bouffe. Elle est super cool, ta mère. La tienne aussi, là. Ouais, mais t'es un peu spéciale, mettons. La mienne aussi, inquiète-toi pas. Mais pas tant que ça. Mais elle est tellement mère poule, là. Depuis que j'ai un sel, elle m'appelle au moins 15 fois par jour. Au vrai? Bon, pas 15, là, mais mettons 5. Toi, au moins, elle te laisse tranquille. Ouais, sauf pour m'apporter mon lunch devant tout le monde. Te rappelles-tu la fois où ma mère avait stationné son auto à la place des autobus? Oh my God, oui. Bon, est-ce que je me serais pas fait adopter cette fois-là? Ah non, le four, on l'a pas ouvert. Est-ce que... 53 commentaires? J'aimerais ça des fois que Facebook soit bloqué sur le Wi-Fi de l'école, là.
Ok, ferme ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai deux ou trois petites choses à dire à ma mère. Jen, c'est les élèves qui sont poches. Maman, faut que je passe à l'école. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es fâchée? Mais moi aussi. Mets le biscuit au four, là, je m'en occupe. Il est parti, déjà? Il est allé où? Aucune idée. Vous appelez Samy? Je veux savoir ce qui se passe. Ce serait peut-être mieux de ne pas le déranger aussi. Comment le déranger? Ça fait juste 6 fois aujourd'hui que je l'appelle, hein? Hey, Boulboul, t'as fait? Tu as laissé ton ami toute seule? Marco, es-tu allé sur Facebook? Ben non, pourquoi? Tout le monde parle du bec de la mère à Jen. Pour vrai? Il n'y a pas de vie. Non, 53 commentaires. Faut faire quelque chose. Oui, je veux bien, mais faut finir les préparatifs, là. Ça commence à presser. Ah, ça tombe bien. J'ai un plan et un slogan. Ah, le slogan, c'est Monsieur le directeur qui s'en charge. Comment ça? Ah, il dit que c'est son humble contribution. Bon, OK, on va trouver un moyen de faire accepter mon slogan au directeur. Pourquoi? Bon, Jen, ça n'a pas de bon sens qu'on rigole comme ça. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec ton plan? Tu vas voir, là. Puis d'abord, tu vas aimer ça. C'est une autre activité de financement. Ah, génial. Ouais, il va falloir que tu m'aides, par exemple. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah. Hey, quel beau slogan, hein? Rassembleur, familial, punché. Ma fille, elle a le sens de la formule, hein? Ça, c'est clair. Elle a le petit retenir, hein? Oui. Cueillette de dons, vente de biscuits, vente de macarons. Ça dit que le journal local va être impressionné par la débrouillardise des élèves à Victoire-des-Marais. Surtout si on ajoute une autre activité de financement. Hein, un jeu facile à organiser, mais qui pourrait rapporter gros. Un jeu. Une autre super idée de Mélanie. Pour vrai? Ouais. Non, j'ai peut-être été trop sévère avec elle en l'envoyant en réflexion. Non, mais t'as raison. Hey, vous êtes en feu! Ma fille est en feu! Je suis vraiment content de ta participation au projet. Là, tu m'as beaucoup impressionné. Ah oui, et puis ton slogan! Quelle belle idée, ça! Ah, vraiment, là, tu m'oses. Bref, j'ai décidé de réviser ta conséquence pour le magasinage. Ah oui, regarde, va t'arranger ça en mode, comme on dit. Oh, cool! Ça fait plaisir. De toute façon, c'est la moindre des choses, hein? T'as continué à travailler sur l'événement, même si je t'avais envoyé en réflexion. Ah! Hé, je vais t'en acheter un tout de suite, avant qu'il en reste plus. Bonne idée, Monsieur Prudhomme, hein? Regardez, moi, j'ai déjà la mienne. Ah! Du génie! Elle nous a envoyé son idée par Facebook, hein? Un super bon coup, man. Regarde ça. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime... Ah, oh, j'aime mon père. Hey! Lequel je vais prendre, tu penses? Hein? Tu vas voir, là, après le souper, quand la foule va arriver, là, tout ça, ça va se vendre comme des petits ponchos. Oh! Ouais, mais à condition que la vendeuse donne l'exemple. Hein? Non, non, mais tu sais, comme j'ai trouvé le slogan, je suis pas obligée de les vendre aussi, là. Oh. Hey, si tu réussis à vendre un macaron à Émile puis la gang de théâtre, là, tout le monde va en acheter. De toute façon, il est trop tard pour changer d'idée, là, t'in. Les premiers donateurs arrivent, hein? Puis s'ils trouvent l'idée poche, moi, j'ai l'air de quoi? Macaron à vendre, 2 $. Venez pour ceux qui en ont besoin, s'il vous plaît. Mais Mélanie, un peu de dynamisme, d'enthousiasme. OK, ben, je vais vous montrer, moi, comment faire. Attention. Macaron, ron, ron, 2 $, c'est bon. Allez-y, allez-y. Macaron, ron, ron, 2 $, c'est bon. C'est toi qui es en train de payer. $2, c'est bon. Oui, on a choisi ce slogan-là parce que c'est « On aide des familles en difficulté », tu sais, c'est concept. Merci beaucoup. C'est encore un peu chaud, mais tu vas voir, ils vont être délicieux. Bravo, c'est réussi. Vous aviez raison, ça m'a vraiment détendu de cuisiner. Ah, tu vois, c'était mieux que de te chicaner avec ta maman, non? Ouais. Jennifer, t'es prête? Je pense que j'irai pas, finalement. Je file pas pour ça. Non, viens! Tu seras pas toute seule, là. On va entrer ensemble à l'école. Mais merci, là, mais ça me tente pas. Jennifer, je te jure, là, personne va se moquer de toi. Comment tu sais ça? Ah, ça, c'est un secret. Quand Samy est sûr de lui comme ça, on peut lui faire confiance. Tu peux me faire confiance. Bon, OK. Maman, peux-tu venir nous conduire? Ah non, Habibi, vous pouvez pas vous organiser. J'ai encore beaucoup de travail et j'ai perdu beaucoup de temps. Ah, c'est parce que t'avais pas un sac de linge et de jouets. Ah oui, c'est vrai, il est là.
Tu vas même pouvoir stationner ton auto dans la zone des autobus. Là. Ils sont tous partis à cette heure-ci. J'ai encore pas fini de l'entendre parler de celle-là, hein? Allez, venez, on va faire vite. Bon, ben, tu viens? Oui. Hein? T'as dit que t'as patiné fort, mais t'as fini par les convaincre? Oui. Hey, si les cools d'école décident que c'est drôle, tout le monde va embarquer. On va manquer de macarons, je vous le dis. Oui, puis là, la foule du stade olympique est pas encore arrivée, mais... Hey, mais toi, t'as bien des amis Facebook, hein? Pourquoi tu nous ferais pas de la pub? Très bonne idée, ça. OK, go, go, hein? Je m'occupe de Twitter. Tenez vous un vêtement ici. Là, c'est la nourriture, puis les macarons sont ici. Ah, bon! Hey, Madame Mazary, hey, merci beaucoup, hein? Ah, c'est pas grand-chose, hein? Ben, quand même, c'est déjà beaucoup. Alors, je dois vous quitter, hein? Désolée, je dois y aller. Maman, attends. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'aime ma mère! J'aime ma pouliche! Hein? Ben, coton, c'est une autre bonne idée de ma fille, ça, hein? Ma pouliche, hein? Wow. Bon, biscuits à vendre, 2$. Quand veut des biscuits? Seulement 2$. Tiens. Pour toi, c'est gratuit. Ah ben, merci. Mm-hmm. Oui, 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 oui. Ah, le slogan et le bec au thon, tout ça, c'est des idées de ma fille, ça. Ben oui. Ah non, ben je sais. Oui. Ah, une photo? Ben oui, quand? Ben c'est parfait, ça. OK, on va vous attendre. Merci, au revoir. Une photo? Oui, ma fille. Pour le journal local. L'équipe de rédaction veut te nommer personnalité de la semaine. Quoi? Ils viennent ici ce midi nous prendre en photo avec nos macarons. Pardon? Tu vas être la vedette du journal. Et puis moi, ben, je vais être le père de la vedette du journal. Oh, je sais pas si ça va être possible. Je me sens pas très, très, très bien. C'est... Mais voyons, ma pouliche, ça va bien aller? Oh, je me sens pas du tout bien. C'est... Non. Mélanie, arrête, je te crois pas. OK? Mm? Sois fière. Oh, wow, génial. Merci. Puis, devine. 150. Non. 175. Non. 200. Non plus. OK, ben, 205 et 13 sous. Non plus. 312 piastres. 312. C'est malade, toi, hein? 312 piastres. Pas de gaffe aujourd'hui, promis. Ah, salut, les gars. Ah oui, ben là, j'y vais, moi, là, je vais vous laisser entre vous autres. Ah, oh, merci, maman, t'es super. OK, là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas compris, là? Elle était là hier soir, je pense. Mais j'y vais avant de faire une autre gaffe. Et merci, les gars, pour hier. Ah, c'était drôle. En tout cas, moi, j'aurais jamais eu ton gosse. T'es génial. T'es un vrai fan de Subito? Viens nous rejoindre sur le site web de l'émission.